Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez une bonne matinée. Pour ma part, il est déjà tard. Alors, je sais même pas il est quelle heure, parce que je sais qu'il est tard, mais je sais pas l'heure. Il est 17h57. Donc voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo à cette heure-ci. C'est une vidéo un peu spéciale car je vais parler de mes vacances. Alors, je vous garantis que ça fait un peu bizarre de se filmer parce que ça fait déjà 2 semaines. Je suis vraiment désolée pour l'éclairage vu qu'il fait bientôt nuit et j'ai 2 éclairages artificiels, donc ça fait déjà mal aux yeux et tout. Donc je le sens un peu là, déjà que je suis fatiguée, mais je voulais tellement faire cette vidéo. Alors, donc tout a commencé le 1er septembre. Donc le 1er septembre, on est parti en vacances en famille. On est parti à Hyères. En fait, Hyères, c'est une ville qui est au sud de la France, mais vraiment au sud. Il y a Marseille, Toulon, Hyères, Saint-Tropez, Saint-Maxime, etc. Et en fait, Hyères, c'est vraiment le plus bas, plus bas, plus bas. C'est le plus bas en fait. Et on était là-bas donc 2 semaines au chalet. C'est là ce que j'aimais à Hyères. Vraiment, mais les pins parasols. En fait, c'est des arbres comme ça, regardez. Ça, mais magnifique. Regardez, c'est très très joli. Déjà 8 heures de route, hein, mais nous, on n'a pas fait 8 heures de route, clairement. On s'est arrêté genre tous les 2 heures pour faire 1 heure de pause. Donc, on a mis 12 heures de Strasbourg, parce que moi j'habite à Strasbourg. De Strasbourg à Hyères, on a mis 12 heures. Et mes rayons de soleil, j'en pouvais plus. Ma soeur, elle était devant. Moi, j'étais avec mon frère et tout, et franchement, j'en pouvais plus. Ma maman, elle conduisait et tout. J'ai dit, ah, oh, mais on va jamais arriver en fait. Mais c'est où le hier là? Déjà, le nom hier, ça me fait bizarre quoi. Et à 15h, je crois, donc de 15h jusqu'à 3h du matin, donc 12 heures de route. Et à 3h du matin, on est arrivé là-bas, et nous, on a notre chalet le 2 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté à l'hôtel, et puis après, ben, le temps que le chalet se prépare, donc il était grand. Et ensuite, j'ai parlé un peu avec des personnes âgées, tout ça à côté, tout. J'ai dit, mais ils sont où les jeunes? Là, il n'y a pas de jeunes, c'est comment ça? Et au final, il n'y avait pas de jeunes. Donc voilà, la première semaine. La deuxième semaine, il y avait déjà des jeunes. J'ai rencontré un abonné qui s'appelle Théo. Il était aussi dans le chalet. D'ailleurs, quand il m'a vu, il m'a dit, mais t'es pas Soleil, toi? J'ai dit, oui, c'est moi. Il est tellement, mais tellement, tellement gentil, ce mec. Il est gay et il l'assume. Et c'est ça que j'aime bien, les gens qui s'assument. Franchement, c'est le top. Et ce mec, mais il a la joie de vivre et tout. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais oh, punaise, carrément, c'est Soleil, machin, la youtubeuse et tout. Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'ai dit, bah écoute, moi aussi, j'ai le droit de faire des vacances. Enfin voilà, c'était trop drôle. Je suis restée avec lui une semaine. Théo, il est parti. Je suis encore restée 3 jours là-bas. Et là, j'ai rencontré deux dames qui étaient super sympas, mais super sympas. On a discuté avec eux, on a mangé avec eux, on était au restaurant et tout ça. On a bu un verre avec eux. Franchement, c'était génial, c'était le top. Un soir, on était tous en famille chez eux, dans leur chalet. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire leur prénom, je préfère pas, donc je dis deux dames, hein, comme ça vous savez. Donc c'était mes voisines de là-bas. À un moment, elle m'a fait, je vais te montrer un truc. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle me dit, c'est la surprise. J'ai fait, ok, ça marche, j'aime bien les surprises en plus. Donc elle nous a montré dans le chalet. En fait, si vous voulez, il y avait plusieurs allées dans le chalet, et c'était dans le troisième allée. Elle nous a montré un alligator en dessous d'un chalet. Un alligator. J'ai eu peur. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Mais j'ai eu peur. Mon frère, il est là et tout ça. Il dit, mais punaise, c'est un vrai. Ma maman, elle a cru que c'était un serpent, le truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit au voisin à côté du chalet où il y avait l'alligator. Et j'ai dit, écoutez, vous savez qu'il y a un alligator juste à côté du chalet? Ils m'ont dit, non, mais c'est pas vrai et tout. C'est des jeunes en plus. Et là, son copain, il est venu. Et déjà, sa copine, elle était pas bien. Elle disait, chérie, ne pars pas, ne pars pas. On sait jamais s'il dort et tout ça. Il va se réveiller, il va te manger, machin. Et vraiment, lui. Il voulait vraiment faire le bonhomme. Il a pris une pierre, il l'a jetée dessus et ça a fait boum. Et là, j'ai eu peur, j'ai crié, j'étais pas bien. Mon frère, il a touché l'alligator et là, on a vu que c'était une bouée. Donc le truc, mais mort de rire, quoi, une bouée. Mais c'est pas les bouées vert foncé, c'était vraiment une bouée de cette couleur, genre vert kaki. Et ça faisait vraiment 3D, quoi, le truc, c'était réel. Il y avait une personne âgée avec sa femme et son chien. Et là, je leur ai dit, il y a un alligator qui est juste là-bas. T'as le mec, il a récupéré son chien par terre, il l'a pris sur lui, il a dit, non, 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 on sait jamais si mon chien va se faire bouffer, hein. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais punaise, il savait que c'était un faux. Et après, il est venu et tout, et là, mon frère, il a touché l'alligator, il a dit, mais non, c'est un faux. Mais je voulais tellement que ça, il rentre dans le jeu, mon frère, mais il voulait pas. Donc ça, c'était les vacances à Hyères, donc au chalet. Et ensuite, j'avais rencontré aussi des gens, j'avais rencontré Théo, j'avais rencontré aussi Raphaël et Félicia, et franchement, ces gens aussi sont top, ils étaient trop bien. Et ensuite, on a rencontré des Allemands, on est resté avec eux tard, machin, ils ont bu et tout. Enfin voilà, c'était parti en catastrophe. Tout ça, moi, je suis rentrée genre à 2h du matin parce que j'en pouvais plus. Donc j'ai visité aussi d'autres villes. J'ai visité
visiter Toulon. Alors Toulon, c'est très sympa au port. Donc il y avait quoi? Il y avait la place, je ne sais pas si c'est la place de la Liberté, je ne sais pas, je suis désolée, mais déjà il était tard et tout ça, donc je suis rentrée à Toulon, il était vachement tard. Il y avait la place de la Statue, je ne sais pas comment, dites-moi en commentaire comment elle s'appelle cette place. C'est une place avec, il y a une statue et il y a une fontaine. Il y a une fontaine d'eau et il y a le port qui est juste un peu en dessous. Et franchement, Toulon, c'est magnifique. J'ai rencontré un abonné là-bas. Enfin, j'ai rencontré deux abonnés. Il y en a un, il a dansé la salsa avec moi. C'était super marrant. Et ensuite, on est rentré à la maison parce qu'il était tard. Et après, on est y allé à Saint-Tropez. Alors, Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est un peu bizarre parce que Saint-Tropez, c'est un peu bling-bling. Hein. Il y avait des filles un peu, voilà, bling-bling. Le vieux avec la jeune, voilà, pour l'argent et tout. Je sentais vraiment ce truc un peu gênant. Mais sinon, franchement, Saint-Tropez, c'est magnifique. Hein. Moi, j'ai vraiment bien kiffé le port avec les gros bateaux et tout ça. C'était nickel. J'étais à l'opéra, donc j'ai bu un verre là-bas. C'était nickel. J'ai kiffé. Ensuite, on a fait Sainte-Maxime. C'était super sympa avec les palmiers et tout ça. Saint-Nicolas, c'était top. Hein. Ben, Toulon. Ensuite, on a fait Saint-Tropez et mon coup de cœur. Mon coup de cœur, on va dire, de l'aventure, mon coup de cœur, c'est Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, j'ai adoré mes rayons de soleil. Mais c'est tellement grand, c'est tellement touristique, c'est aussi bling-bling, mais pas comme Saint-Tropez, c'est différent. Mais c'est magnifique, j'adore. Ah, c'est le top de chez top, quoi. Il y a la grande roue, t'as les palmiers aussi, t'as la mer. En fait, c'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Je sais pas, j'arrive pas à vous le décrire, mais c'était magnifique. Il y avait un appartement, il y avait un appartement en forme de bateau. Mes rayons de soleil, la vidéo que vous avez vue juste à l'instant avec l'immeuble qui est en forme de bateau, mais en fait, cette vidéo-là, je l'ai tournée partout. C'est-à-dire que quand je suis allée à Saint-Tropez, j'ai fait cette vidéo, donc l'aller-retour comme ça, machin, en mode mannequin. Je l'ai fait aussi à Nice, à Cannes, etc. Donc, regardez sur mon Instagram, c'est super marrant. Je voulais vraiment faire ce challenge et pour ma part, je l'ai réussi. Donc, Saint-Raphaël, honnêtement, c'était le top, regardez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En fait, je prends genre ma tablette parce que j'ai fait tellement d'huile. Enfin, je n'en ai pas fait tant que ça, mais quand même. Alors ensuite, Saint-Raphaël, j'ai fait Cannes. Alors Cannes, c'est très, très joli aussi. Bon, Cannes, c'est vraiment réputé pour le festival de Cannes. Sinon, j'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire, même si c'est magnifique, c'est quand même une belle ville. Donc Cannes, c'était sympa. Ensuite, j'ai fait Nice. Les promenades des Anglais, bien sûr, hein, je l'ai fait, c'est magnifique. Donc là-bas aussi, j'ai fait une vidéo d'aller-retour, hein, comme je vous ai dit. Donc Nice, c'est super sympa. Il y avait l'aéroport. Alors, j'arrive pas à le prononcer, par contre, mes rayons de soleil, je dis l'aéroport, alors que c'est l'aéroport. Mais j'arrive pas, je sais pas, j'arrive pas. Enfin bref, il y avait l'aéroport qui était là-bas et on voyait les avions qui décollaient, tout ça, c'était juste trop beau. Tu avais un monsieur là-bas à Nice. Ben, j'ai discuté avec lui. En fait, il m'a dit que du début des promenades des Anglais jusqu'à la fin, on met 4 heures en marchant. C'est quand même un truc de fou. Attention. Du coup, j'ai fait, oh punaise, c'est vachement grand et tout. Je vais vous montrer des photos, mes rayons de soleil, mais c'est, oh, c'est abusé. Déjà, je vais vous montrer la petite vidéo, regardez. C'était aussi magnifique Nice, mais par contre, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être c'est le fait qu'en fait, j'ai fait Saint-Raphaël et ensuite Nice, que j'ai pas peut-être trop aimé Nice, de Saint-Raphaël à une grande ville. Donc vous voyez le truc, donc c'est pour ça que j'ai pas eu ce petit coup de cœur à Nice, mais je vous garantis que Nice est très beau. Oh, j'ai chaud mes rayons de soleil, j'ai chaud avec ces lumières artificielles. Ouh. Après Nice, j'ai fait Monaco, attention hein. Attention, là par contre, mes rayons de soleil, Monaco, c'est un truc de fou. Déjà, rien qu'on dit Monaco, on dirait ça sonne pas français quoi, Monaco. Ça sonne vraiment pas français. Quand je suis rentrée à Monaco, alors je suis tellement dégoûtée. Saint-Raphaël, Nice, tout ça je l'ai fait en journée, mais Monaco je l'ai fait le soir.
Bon, c'était joli aussi le soir avec les lumières et tout ça. Monaco, il faut le faire. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Saint-Raphaël et Monaco, au moins une fois dans sa vie. Les immeubles, mais ils sont énormes, ces immeubles. Ils sont énormes. Je ne sais pas pourquoi je regarde le plafond, mais enfin bon. En tout cas, ils sont énormes, énormes, énormes. Je ne sais pas, j'arrive pas à vous décrire. Il faut que je vous le montre en fait en photo. Je vais vous la montrer en photo parce que j'arrive pas à le décrire en fait. C'est un truc de fou. Regardez. Alors ça, c'est à Monaco. Alors ça, c'est rien encore, hein. Je vais vous le montrer. Regardez, il y a le trottoir et pouf, il y a le vide. Mais c'est un truc de fou. Regardez les bâtiments comme ils sont grands. Wow. On était ici. En fait, il y avait le trottoir juste ici. Donc vous voyez comme c'est haut. Et encore, il y avait le bas. En bas, il n'y a que des bâtiments. Mais c'est un truc de fou. C'est magnifique. Berry en soleil, manger un McDo à Monaco. Regardez, même le McDo, il est différent. C'est pas trop beau? Alors bien sûr que moi qui mange pas trop McDo, là je voulais me faire vraiment un McDo chez Monaco. Voilà, en plus ça Puis rime. Monaco, on est reparti à hier, donc au chalet. On est parti le 16. Mais rien de cela, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, pensez à la partager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour un nouveau haul. Mais un nouveau haul, attention, magnifique. Bye bye tout le monde.